Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons découvrir des surprises dans La Reine des Neiges et Barba Papa, mais nous allons d'abord commencer par ce gros œuf du monde de Dory, avec Dory et Nemo dessus. Alors, on va tout de suite l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. C'est un bel œuf avec des motifs de Dory, de Nemo devant. Et là derrière, on voit des autocollants. Apparemment, il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois des bonbons en forme de poisson. Orange, bleu, jaune. En voici d'autres, les mêmes. Encore d'autres. Il y en a d'autres ici. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'autres types de bonbons. Et ceux-là, on les mâche. Ils sont aussi de différentes couleurs. En voici d'autres. Encore les mêmes bonbons. Ça, c'est un collier ou un bracelet. Alors, on va l'ouvrir. Et on a un pendentif de Dory avec des bonbons. En voici un autre, exactement le même. Ça, c'est encore des bonbons. Et là, on a des autocollants, donc Nemo et Dory. Et il y a en dessous Dory et Hank. Donc là, je suis un peu déçue, je dois vous avouer, parce qu'il n'y a pas de jouets. C'était un gros œuf. On s'attendait vraiment à avoir quelque chose de mieux. C'est dommage. On va voir si la Reine des Neiges, elle, va aussi nous décevoir. J'ai l'impression que non. Voyons voir ce qui se cache. Et non, elle ne nous déçoit pas, car elle a trois surprises. Et on va commencer tout de suite par la surprise sachet du monde de Dory. Et là, nous avons une petite figurine de Dory. On continue avec The Secret Life of Pets. C'est un nouveau film qui vient de sortir aux États-Unis et en français, ça s'appelle Comme des bêtes. Donc, voyons voir. Alors, ça, c'est la petite brochure avec les personnages principaux. Voilà, il y en a pas mal. Et on va les découvrir petit à petit. Et là, nous avons un personnage qui est un peu moqueur et qui s'appelle Buddy. Et en fait, l'histoire de Comme des bêtes, c'est savoir ce que font les animaux quand on n'est pas là. On continue avec le machem de la Pat Patrouille. Et nous avons ici une figurine de Zuma. Et il n'est pas aussi extensible et souple que les autres machem. On continue avec Barba Papa et je suis sûre qu'il a lui aussi pas mal de surprises. Et il y en a deux ici. On continue avec un autre sachet du monde de Dory. Et là c'est dommage car on a un doublon, donc on a deux figurines de Dory. Et là nous avons un œuf surprise de Adventure Time. Alors, nous avons un petit jouet ici, avec Finn l'humain et Jake le chien, en ballon gonflable. Et c'est en fait un autocollant. Il y a aussi des bonbons, roses et jaunes. Un autocollant avec Jake, qui se demande ce qu'est la vie. Et la brochure avec tous les jouets. La princesse Anna. Elle a deux surprises. On va commencer par celle-ci et c'est un œuf surprise des princesses Disney.
il y a pas mal de choses. Alors ça, c'est la brochure avec tous les jouets. Il y a un autocollant d'Ariel, la petite sirène. Il y a bien sûr un biscuit. Et voici le jouet. On va tout de suite l'ouvrir. Et c'est un portrait de la jolie Cendrillon. Machem de Batman. Alors, voyons voir, je vois un chapeau. Donc, c'est une figurine du pingouin, très collant, très mou, très extensible. On continue avec Barbidur. Barbidur a lui aussi deux surprises. Et la première, c'est un sachet de Little's Pet Shops. Et voici la petite figurine, adorable. Le deuxième est un œuf surprise, Chupa Chups en chocolat de Peppa Pig. Et il y a une petite figurine ici de Peppa habillée en infirmière. Olaf. Olaf a un œuf surprise en chocolat de Angry Birds. Et il y a ici une petite figurine de l'oiseau noir, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Il est habillé comme un personnage de Star Wars. Et voici la brochure. La prochaine surprise se trouve dans Barbidou. Et nous avons un œuf surprise en chocolat de My Little Pony. Alors, je sais déjà qui c'est. C'est une très belle figurine de Pinkie Pie. Et voici la petite brochure avec tous les jouets qu'on peut avoir. La plupart des poneys principaux. Tiens, Barba Papa a encore des surprises. Mais qu'est-ce qu'il nous cache? Deux surprises, dont une en chocolat, qui a l'air bien écrasée, et c'est une surprise de Tom et Jerry. Alors voyons voir ce que nous avons dans cette capsule. Et je crois que c'est le chien. Et j'avais raison, c'est le chien qui veut toujours dormir. Et je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Spike, mais je n'en suis pas très sûre. Voici la brochure avec toutes les petites figurines qu'on peut avoir. Et la deuxième surprise est un œuf de Peppa Pig. Alors, il y a des bonbons roses et blancs, des autocollants avec toute la famille, avec Peppa,
Georges, Peppa en train de faire du vélo. Et il y a un petit protège-crayon avec dessus Papy Pig, Peppa et Georges. On continue avec la Reine des Neiges qui, elle aussi, nous apporte encore quelques petites surprises. Et là, on en a deux. Hello Kitty, Hello Kitty en français. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La petite brochure avec les jouets, les bonbons roses et jaunes et un pendentif en forme de cœur. On continue avec Bob l'éponge. Il y a des bonbons, des autocollants avec Bob et les personnages principaux du dessin animé. Et le jouet est un sifflet. Avec dessus, Carlo Tentacule. Il est temps de ranger nos poupées gigognes. On va mettre Olaf dans Anna et Anna dans Elsa. On va maintenant mettre Barbie Bulle dans Barbie Doux, Barbie Doux dans Barbie Dur et Barbie Dur dans Barba Papa. Nous espérons que vous avez bien aimé les surprises que nous vous avons apportées aujourd'hui. Si c'est le cas, on vous en apportera encore, c'est promis. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Madame Récré.